Alors nous sommes à l'espace Matière Grise pour le 48e anniversaire du Parti démocratique gabonais. Dites-nous, comment a été organisé cet événement pour cette année? Cette année, l'événement a été organisé sous la sobriété, comme vous pouvez le constater, parce que c'est une année importante aujourd'hui au Gabon. 2007, l'année présidentielle, une année électorale. Donc le parti a tenu à faire en sorte que l'anniversaire soit un rappel des troupes afin de les rassurer, de les fortifier, pour qu'ils sachent que malgré tout ce qui se passe, les missions, tout ce qui arrive, c'est un processus normal dans un parti politique. Ça fait toujours mal de perdre des personnes de qualité, mais c'est le moment, c'est l'occasion pour que des jeunes talentueux et des plus âgés aussi qui ont du talent puissent enfin aussi prendre leur place et montrer de quoi ils sont capables au sein du parti. Vous êtes jeune? 48e anniversaire, nous imaginons que vous êtes né avant, enfin le parti est né avant vous-même, on peut le dire. Dites-nous déjà, qui êtes-vous au sein de ces partis? Je suis Lionel Etougué, le secrétaire de section 3 à Paris de France, dont le responsable du PDG de la section 3 à Paris. Donc le parti est né avant moi et je suis fasciné par la créativité, l'innovation qu'il y a dans ce parti. Gabon émergent? Oui, le Gabon émergent, le Gabon de service, les propositions qui sont faites en termes d'égalité des chances, en termes de vision globale, développement durable, l'engagement. Donc il y a beaucoup de choses qui font en sorte qu'on ne peut ne pas quand même reconnaître que le PDG n'a pas ses qualités. Alors pourquoi la tolérance? La tolérance, ce qu'on voit aujourd'hui, quand vous regardez tous les membres de l'opposition qui sont de côté aujourd'hui, ils reviennent du PDG. C'est parce qu'on tolère, n'est-ce pas, certaines opinions, on tolère la controverse. Parce que dans un monde, on ne peut pas être tous pareils. C'est bien quand il y a la confrontation du débat d'idées, il faut accepter cela. Je rappelle à nos téléspectateurs que cet entretien a eu lieu juste avant la cérémonie. Très bien. Donc la fête va continuer, va commencer. Voilà. Et nous vous souhaitons bon anniversaire. Avec force et ténacité, nous resserrons les liens de l'unité, afin que le même notre
pays, père de ses enfants unis. Changeons de mentalité pour l'avenir de Gabon élevé, afin que demain notre pays soit fier de ses enfants unis. Lève-toi, peuple gabonais, en avant et toujours de l'avant. Lève-toi, peuple gabonais, pour l'avenir de tes enfants. Le PDG, le PDG, le PDG, le PDG, le PDG, l'unité nationale. Le PDG, le PDG, le PDG, le PDG, l'unité nationale. Merci, vous pouvez prendre place. Là, nous avons l'esprit du PDG. Le dialogue, la tolérance et la paix. Bon. Alors, cette soirée, quand vous l'avez vu dans les différentes invitations, là, on l'avait appelé conférence, peut-être une histoire et soirée culturelle. Donc, compte tenu des réalités et des aléas, voici comment ça va se passer ce soir. Voici le déroulé de la soirée. Une première prestation, parce que nous avons eu l'honneur et la chance d'avoir des artistes gabonais qui ont tenu à marquer justement leur soutien aux valeurs que nous défendons, les valeurs fortes du Gabon, qui ont su faire du Gabon un pays de référence en termes de démocratie, en déplaise à ce que l'on dit sur les réseaux sociaux. Et ces artistes sont Zaef le Taximan, Manitou et sa famille, Amandine et la chanteuse Tinandé. Donc, avant de commencer avec les artistes, nous allons commencer par saluer les délégations qui se sont déplacées, les délégations qui sont venues de province. Parce que la particularité, comme je vous le disais, de cette fête, c'est une fête qui se tient en 2016. Vous n'êtes pas sans cesse ignorer que c'est une année capitale en termes d'élections présidentielles au Gabon. Donc, et avec les mouvements qui se passent dans le parti, il est important que les autorités de Libreville, quand je parle des autorités, je parle bien des responsables politiques du parti, il est fort, il est resté organisé, et que l'ensemble de ces antennes de province ont tenu à être présents. Nous avons l'antenne d'Amiens. Nous avons l'antenne de La Rochelle, représentée par Jean-Marc Gabra. Nous avons l'antenne d'Orléans. Nous avons l'antenne d'Angers. Nous avons l'antenne de Bordeaux. Ils sont venus ici. J'aimerais que vous applaudissiez. Sachez que. Donc, sans plus attendre. Et je tiens à vous remercier d'être tous ici ce soir pour célébrer le parti. Bah maintenant, je ne vais pas vous prendre plus de temps et je suis très honoré de représenter une délégation ici. Bonne soirée à tous. Le représentant du conseil national des chargeurs. Mesdames, messieurs, camarades, distingués invités, en vos grande égalité, c'est avec un vrai plaisir que je célèbre avec vous ce jour, l'anniversaire de notre grand parti.
Et je serai commencer mon discours sans dire que le Parti démocratique gabonais, le PDG, reste un et indivisible. Je tiens tout d'abord à vous adresser à toutes et à tous mes sincères remerciements pour cet engagement constant, indéfectible, qui demande votre attachement sans condition pour la construction et le développement de notre pays. Derrière le distingué camarade président, le cours normal de la vie de notre parti, le Parti démocratique gabonais, nous conduit aujourd'hui à nous retrouver pour célébrer son 48e anniversaire. Inscrit sous l'impératif « Changeons ensemble ». Mes premiers mots à votre endroit, militantes et militants, venus des quatre coins de la France, seront des paroles de fraternelle bienvenue. L'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais, par ma voix, voudrait aussi saluer très chaleureusement la présence des partis venus de toute la diaspora. En ce jour d'anniversaire, je dois une pensée fervente à toutes les femmes et à tous les hommes ayant œuvré à la consolidation de l'unité au sein de notre grand parti, qui pour certains nous ont hélas quittés. En hommage et à la mémoire de ses camarades parmi lesquels le président fondateur, Feu Omar Bongo Ondimba, qui ont rejoint depuis la demeure d'éternité du Très-Haut, je voudrais vous inviter à vous lever et à observer une minute de silence. Je pense ici à M. Okias. Merci. Chers camarades, devant le 48e anniversaire de notre grand parti, j'ai cité le PDG. Vous en doutez bien. Je voudrais renouveler ma reconnaissance à l'endroit des militants et sympathisants de l'UJPDG, qui chaque jour, grâce à son dynamisme d'ensemble et à sa détermination, conforte le Parti démocratique gabonais. La jeunesse gabonaise occupe une place de choix dans le projet de société du chef de l'État, car elle représente l'avenir du pays. Dans son programme de l'égalité des chances, qui s'appuie sur 5 piliers, éducation, l'emploi, la santé, les femmes, le combat contre les privilèges, le distingué camarade président a choisi de récompenser le travail, les bonnes idées et le mérite. Pour ce qui concerne l'éducation, l'objectif visé est de permettre à tout jeune Gabonais d'accéder à une formation de qualité. Dans l'égalité des chances pour l'emploi, d'ici 2020, un grand nombre d'emplois dans divers secteurs et précisément dans le cadre du projet Graines seront créés. Pour l'accès aux soins de santé de qualité optimale, le distingué camarade président entend renforcer la CNAM-GS afin qu'un plus grand nombre de médicaments soient pris en charge, y compris chez les médecins spécialistes. Pour les femmes, qui chaque jour davantage, grâce à leur engagement, leur fidélité et leur loyauté sans faille, forge même sous le soleil et la neige le ciment de la stabilité et la grandeur de notre parti de masse. L'ultra favori de la présidentielle 2016 a pour ambition de les reprendre plus autonomes en leur offrant une formation afin de pouvoir accéder au monde du travail et au pouvoir politique.
quant à l'égalité des chances dans le combat contre les privilèges qui fait couler beaucoup d'hommes, le distingué camarade président veut mettre fin aux privilèges indus et injustes. Dans ce ordre d'idées, la jeunesse doit sortir de sa passivité et prendre sa destinée en main. Elle doit mobiliser les jeunes en vue de favoriser leur adhésion au Parti démocratique gabonais. Veiller à la mise en œuvre de la politique nationale de la jeunesse. Assurer conformément à la ligne du parti l'éducation des jeunes dans le domaine de la politique économique, sociale et culturelle. Organiser des activités économiques, socio-culturelles et sportives. Promouvoir la solidarité entre les jeunes, mais surtout s'impliquer, s'engager, militer avec conviction et soutenir la politique du distingué camarade président. Très chers camarades, l'investiture de notre champion, Ali Bongo Ondimba, en tant que candidat du parti à l'élection présidentielle de 2016, est officielle depuis le 12 mars 2016. Actuellement, l'heure est à mobilisation. À l'unité, nous devons partir en ordre de bataille pour faire du programme pour l'égalité des chances une réalité pour tous. En assurant une victoire cash et sans embâche aux candidats du peuple gabonais. L'UJPDG France, à l'instar du distingué camarade président, vous dit changeons ensemble. Vive le Parti démocratique gabonais, vive le Gabon, je vous remercie. Au représentant du Gabon en France, représenté par monsieur le consul général, monsieur le représentant, monsieur l'attaché Guani, monsieur le représentant du Conseil gabonais des chargeurs, mesdames, messieurs, camarades invités, en vos grades et qualités, bonsoir. Bonsoir. PDG, Nga. Nga. Je tiens tout d'abord à vous remercier d'avoir bien voulu vous départir de vos programmes respectifs en nous honorant de votre présence. Vous le savez, nous commémorons en ce jour l'anniversaire en différé de notre grand parti de masse. En effet, il cumule à ce jour 48 ans. Nous en sommes heureux et fiers. Cette joie nous anime parce que 48 ans, c'est l'âge de la maturité. Et c'est aussi à ce jeune âge que notre distingué camarade Ali Bongo Ondimba accédait à la magistrature suprême grâce au soutien des femmes et des jeunes qui voulaient un président jeune. Vous l'aurez compris, notre cher parti est donc jeune. La jeunesse est un signe de force, d'espoir, d'avenir. Notre cher et beau parti a encore beaucoup à donner à notre beau pays. C'est pour cette raison que nous devons commémorer chaque année cet événement heureux pour rappeler à chacun et à tous que le Parti démocratique gabonais est là pour mettre tous les Gabonais en confiance et leur rappeler que nous allons développer notre pays ensemble. Chers camarades, messieurs et dames, il y a quelques semaines encore,
le parti se réunissait lors du congrès extraordinaire 2016 pour valider et soutenir la candidature de notre distingué camarade Ali Bongo Ondimba. Qu'il nous soit permis, par la même occasion, de saluer la mise en œuvre de la camarade Annie Christelle Limbourg, secrétaire générale adjointe, coordinatrice de l'UFDG et présidente des femmes des partis politiques de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence. PDG Bolé. Bolé. De la politique instruite par la présidente d'honneur de l'UFPDG, la camarade Sylvia Bongo Ondimba, dont l'efficacité des initiatives prises ne sont plus à démontrer pour le bonheur des familles et communautés les plus vulnérables et fragilisées. Les femmes, et encore les femmes, avions manifesté notre soutien indéfectible à notre champion Ali Bongo Ondimba. Comment ne pas le soutenir? Ou qui d'autre, si ce n'est lui, fort de la place qu'occupent les femmes dans ce septennat, dont je vous en cite quelques exemples. L'adoption d'une loi instaurant 30% des femmes aux postes électifs. L'accès à la présidence des institutions constitutionnelles, le Sénat, le Conseil économique et social, la Cour constitutionnelle, la protection de la veuve et de l'enfant, la décennie de la femme. L'égalité des chances pour les femmes, pilier de la société gabonaise, à savoir l'autonomie, la formation, l'accès au monde du travail et avoir un impact sur le futur du Gabon. Avoir le droit de vivre en sécurité. L'augmentation des opportunités en notre faveur est très importante pour le développement d'un pays et bénéficie à tous, hommes et femmes, assurer l'indépendance des femmes pour un meilleur accès à l'éducation, au travail, au pouvoir politique. L'accroissement de l'indépendance des femmes par la réussite scolaire et professionnelle. L'égalité d'accès au gouvernement et aux fonctions administratives. La fin des discriminations et violences envers les femmes. Chers invités, Yali est l'homme de la situation. Au-delà des réalisations à l'actif des femmes, il y a celles perspectives dont bénéficient tous les Gabonais. Dans le secteur éducatif, attribution des bourses à tous les Gabonais ayant obtenu le baccalauréat. L'augmentation des bourses d'études. L'augmentation des salaires des fonctionnaires. L'instauration de la CNAMGS à tous les Gabonais. Pour soutenir les frais de santé, la prise en charge complète des soins médicaux de tous les Gabonais, dont le pronostic vital est engagé. La liste n'étant pas exhaustive, mais le détour valait la peine. À plusieurs titres, car le train de l'émergence dans lequel nous sommes vise le bien-être de tous les Gabonais sans distinction aucune. C'est à ce titre que les femmes invitent tous ceux et celles qui hésitent encore à se joindre à nous, à rejoindre le distingué camarade président
car c'est ensemble que nous allons changer le Gabon. Cette élection, il la confie aux femmes, aux filles de toute génération confondue, responsabilité devant Dieu et devant l'histoire, et consciente que de ce qu'en 6 ans seulement, Ali Bongo Ondimba bénéficie d'un bilan positif, même s'il y a encore à faire. Considérant que le distingué camarade président fait ce qu'il dit et dit ce qu'il fait, prenant acte de l'invite du distingué camarade président du changement collectif, changeons ensemble. Nous, militantes du PDG et de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence, rendons un vibrant hommage au distingué camarade président Ali Bongo Ondimba pour son œuvre en faveur du Gabon et des femmes en particulier. Félicitons la réponse positive Ali Bongo Ondimba, rendu public le 29 février sur le pont d'Ouzouri dans la province de Louboué-Maritime pour se porter candidat à sa propre succession. Réaffirmons notre soutien inconditionnel et sans faille au distingué camarade président Ali Bongo Ondimba. Et nous engageons à tout mettre en œuvre pour la victoire Ali Bongo Ondimba, notre champion, et invitons toutes les femmes à se mobiliser autour de la candidature du distingué camarade président Ali Bongo Ondimba. Joyeux anniversaire à toutes et à tous. Vive Ali Bongo Ondimba, distingué camarade président. Vive les femmes fidèles et loyales. Vive le Parti démocratique gabonais, un et indivisible, pour que vive le Gabon. Je vous remercie. Ce n'est pas une heure tardive comme ça qui doit entamer notre résistance. PDG Nga! Nga! PDG Mémé! Mémé! PDG Bilolo! Bilolo! Merci beaucoup, distingués invités, pour le moment de ce discours solennel, de faire un peu de silence. Bien évidemment, les animations des femmes, puisque les femmes sont le pilier du PDG. Sans les femmes, le PDG ne serait pas ce qu'il est. Elles sont déjà en train de nous montrer ce qu'elles sont capables de faire du point de vue culinaire, mais elles nous montrent ce qu'elles font du point de vue du soutien moral, de la fidélité, de la ténacité et de l'animation. Vous avez pu remarquer tout à l'heure que ce sont elles qui crient le plus ce PDG. Ce sont elles qui ont même créé l'hymne que vous avez chanté tout à l'heure. Et encore une fois pour les femmes aujourd'hui, les femmes, oyez! Oyez! Les femmes, nga! Nga! Merci, distingués invités. Je sens encore que la salle n'est pas tout à fait avec moi. On est ensemble? On est ensemble! Je ne sens pas encore que tout le monde est avec moi. Surtout à cette table, j'ai bien l'impression que nous avons beaucoup de camarades un peu dissipés. Peut-être que nous allons pouvoir nous concentrer sur les échanges que nous allons avoir, parce que c'est, je pense, le moment politique clé de cette soirée. Et je vais vous demander un peu de silence, s'il vous plaît. Merci beaucoup dans le discours dans lequel on peut lancer les cris de soutien, les cris d'ambiance, bien sûr, mais au moins en général, le discours doit se faire
entendre, d'autant plus que nous avons des caméras qui filment, et c'est un discours qui a une portée politique, donc une certaine solennité, une certaine gravité, et il est bon qu'il soit enregistré sans trop de bruit de fond. Merci beaucoup pour votre attention. Je comprends parfaitement la dissipation, parce que c'est vrai que l'heure est assez avancée, mais encore un petit effort, s'il vous plaît. Les femmes sont en train de déployer les trésors d'efforts qu'elles ont fournis tout au long de la journée. Monsieur le représentant de l'ambassadeur, haut représentant de la République gabonaise en France, monsieur le consul général, mesdames et messieurs les conseillers, monsieur le représentant du Conseil gabonais des chargeurs, madame la ministre, puisque nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir madame Marie-Reine Hassène, ancienne ministre de la République centrafricaine et ancienne candidate à l'élection présidentielle. Merci beaucoup, madame. C'est vrai que vous avez beaucoup de ressemblances avec notre première dame. Je confirme ce qu'a dit le jeune homme tout à l'heure. Cela ne fait qu'ajouter à l'intérêt que nous avons pour vous. Merci pour votre visite. Camarades, je remercie également toutes les délégations qui sont venues de province pour nous montrer que le PDG est bien vivant et que nous sommes déployés sur tout le territoire français. Soyez remerciés des efforts que vous avez fournis, camarades. Vous pouvez vous applaudir. Le PDG en France, suivant un recensement effectué en novembre 2012, c'est 2000 militants et sympathisants. 2000 militants et sympathisants, répartis sur toute la superficie du territoire français. Aujourd'hui, vous avez un bref échantillon de cette force politique dont dispose notre distingué camarade président Ali Bongo Ondimba. La mobilisation de ce soir s'est faite en quelques jours, sans beaucoup d'efforts, et vous pouvez ici remarquer que le PDG est bien vivant, que le PDG est debout, que le PDG est en action et que le PDG est prêt au combat. PDG Nga ! Votre présence ici, camarades militantes et militants, prouve à n'en point douter que malgré les événements qui ont enrichi l'actualité ces derniers temps, malgré le doute qu'on a pu percevoir ici et là, le PDG est toujours debout. Et nous sommes ici à 6000 km. Imaginez ce qui se passe sur le territoire. Votre présence ici nous rassure parce qu'elle montre ceux des militants qui avaient besoin d'être rassurés, parce que le doute avait commencé à les gagner, peuvent, avec les images qui vont être diffusées à partir de ce rassemblement, être rassurés de ce que le PDG est toujours mobilisé. À ceux-là de nos militants, le message est simple. Ce qui est en train de se passer, les défections que vous avez pu observer, est la simple normalité des choses. C'est aussi le témoignage de ceux que, à la tête de l'État, une politique d'engagement, une politique de changement a été initiée, et comme tout changement, bien évidemment, il est accompagné de toutes les turpitudes qu'on peut imaginer. Ces changements ne sont pas du gré de tout le monde. Et ne soyez pas surpris si, à cause de ces changements, certaines personnes qui, pour diverses raisons, les uns perdant leurs privilèges, les autres perdant des avantages ou des situations,
décide de quitter le bateau, la chose qui aurait pu vous inquiéter, ça aurait été que les choses se passent tout à fait normalement. S'il n'y a pas là, la preuve qu'il n'y a aucun changement au Gabon. S'il n'y avait pas eu de défection, vous auriez eu la preuve que les changements ne sont pas en cours. Mais avec cette défection, je veux que vous tiriez la conclusion simple, c'est que ces défections sont la preuve de ce qu'il y a des changements réels en cours. À ceux des activistes d'en face qui ont vu là l'opportunité de relayer des messages de découragement, nous pouvons simplement dire qu'ils en auront pour leurs frais. Parce que le témoignage est donné aujourd'hui de ce que le PDG est vivant, debout et en ordre de marche. Laissez-moi maintenant m'attarder sur cette catégorie de personnes qui ont occupé l'actualité ces derniers temps à coup de déclarations, à coup de conférences de presse, donnant à leur décision de quitter le PDG, c'est leur liberté, une dimension médiatique qui, à mon avis, est surévaluée. Dans un premier temps, permettez-moi d'attirer votre attention sur la chose suivante. Pour quelle raison décide-t-il de quitter le bateau PDG? Tout simplement, comme je viens de vous dire, il y a des changements profonds qui ont été engagés. Il y a une politique de faire du Gabon un pays émergent en l'an 2025, de sorte que des sacrifices, de sorte que il y a encore quelques années, sont maintenant bannis. Et ces personnes manifestent avec leur départ leur mécontentement. Et de manière générale, vous aurez remarqué que ces personnes, généralement, étaient des grands barons du système. Donc l'origine de leur mécontentement, c'est le changement. Vous êtes d'accord avec moi? Que remarque-t-on avec ces départs? Tous, absolument tous, à la suite de leur départ, pratiquent la politique de la terre brûlée. Comment pouvez-vous accepter que des personnes avec qui vous avez milité pendant des années et des années, vous vous êtes appelés camarades, vous avez combattu, vous avez remporté des victoires, vous avez vécu des situations généralement heureuses, ils ont même obtenu des situations. Ils décident de partir, très bien, c'est leur liberté. Mais pouvez-vous m'expliquer pour quelle raison ils prennent un malin plaisir à faire en sorte que la maison qui les a nourris, qui les a portés à la situation dans laquelle ils étaient, ils s'évertuent, ils s'emploient à la brûler. De deux choses l'une, soit ils ont un problème, comme dirait mon grand-père, un problème psychologique. À ce moment, la seule solution, c'est la consultation chez les spécialistes de ces choses-là. Soit on peut se poser des questions sur leur loyauté, sur la sincérité de leur engagement politique. Parce que quand on appartient à une maison, même si on a trouvé des sujets de discorde, quand on s'en va, on ne brûle pas la maison. Vous êtes d'accord avec moi? Donc ça, c'est un élément important dans le discours, parce que vous allez voir, je vous emmène quelque part. Nous remarquons aussi que une fois que ces personnalités ont franchi le Rubicon, les gens d'en face, la presse, les activistes sur Internet, en font subitement des saints. Vous êtes d'accord avec moi? Les gens qui hier avaient encore des problèmes avec les annexes, les gens qui hier avaient autant de terrain que de diplôme, les gens qui hier étaient tellement liés à la famille au pouvoir, à tel point qu'ils ont des enfants en commun, pour eux qu'ils quittent le navire PDG. Au moment où ils étaient au PDG, ils étaient décriés,
il subissait le même traitement que tous les responsables du PDG. Et puis tout d'un coup, lorsqu'il passe en face, ce sont des saints, ce sont des sauveurs, ce sont des... Voilà, ils sont la bienvenue et on compte sur eux pour diriger le Gabon. Alors là intervient le paradoxe que je veux souligner. Pensez-vous vraiment que ces gens qui ont refusé le changement proposé par le président Ali Bongo Ondimba, qui partent parce qu'ils ne veulent pas du changement, quand ils partent de l'autre côté et qu'ils sont accueillis à bras ouverts comme des sauveurs, pensez-vous vraiment qu'ils sont crédibles pour engager le changement profond dont le Gabon a besoin? Là, vous pensez que vous pouvez applaudir, parce que je ne sais pas si vous avez des réponses. Je crois que ce sont ces gens-là qui sont qualifiés pour engager les réformes dont le Gabon a besoin. Pensez-vous qu'ils sont vraiment porteurs de changement simplement parce qu'ils ont changé quoi? Ils ont simplement changé la bannière politique, mais en eux-mêmes, est-ce qu'ils ont changé? Ils ont changé de mentalité? Ils ont changé de personnalité? Ils ont changé d'ambition? Au contraire, ils deviennent tous des candidats à la présidentielle, ou pratiquement, ou alors ils vont en face rien que pour prendre les places, les premières places dans les organisations de campagne pour les présidentielles et combattre la maison d'où ils viennent. C'est la preuve qu'ils n'ont eu aucun changement. Et je peux, et à partir de là, nous pouvons nous poser des questions sur la nature, sur comment le discernement des personnes qui les reçoivent en face et qui leur donnent des blancs-seins sans confession. Vous pouvez applaudir. Camarades, le changement n'est pas quelque chose qui se décrète, le changement est quelque chose qui se vit, le changement est quelque chose qui se démontre, le changement est quelque chose que dont les gens doivent vous témoigner. Ces gens ont montré dans leur vie, tout au long de leur vie, qu'ils n'ont rien fait. Ce n'est pas maintenant qu'ils vont se mettre en face que nous pouvons, que le peuple gabonais doit pouvoir leur donner, comment dire, leur confiance. Je compte sur vous, les militantes et militants du PDG, pour bien vous accaparer de cet axe de réflexion. Ces gens-là n'ont pas changé, ces gens-là sont restés les mêmes, ces gens-là ont abusé de la sorbetière, comme a dit notre ambassadeur dans son interview. Ils ont abusé de la sorbetière. Une fois qu'on leur enlève la sorbetière, ils ont décidé de changer de camp pour aller à un autre endroit où ils vont garder le Gabon dans la même situation. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. La campagne qui vient doit être l'opportunité, l'occasion pour nous de marteler ce point crucial. Ces gens-là n'ont pas changé, ces gens-là ne sont pas porteurs des ambitions, ils ne sont pas fondés pour pouvoir entreprendre les changements profonds dont nous avons besoin au Gabon. Au Gabon, nous avons besoin de changements, par exemple dans l'esprit qui demeure dans cette maxime qui dit « le mouton broute là où il est attaché ». C'est ça la caractéristique particulière de ces gens-là. Joe, 1000 diplômes, 1000 maisons, 1000 terrains ici et là. C'est son intérêt qu'il défend. Il ne change pas pour donner des terrains. Il continue, il va aller pour le Joe, l'autre, là, avec les annexes. Là. Quand il quitte le navire PDG, c'est parce qu'il perd sa sorbetière. Et notre ami qui a perdu les élections et qui n'a pas été réélu, vous pensez qu'il va changer? Il va encore perdre les élections. Parce qu'ils n'ont pas changé. Là-dessus, vous pouvez applaudir, parce que nous sommes là en train de produire la victoire du candidat Ali Bongo Ondimba. Pour insister sur. Pour que vous compreniez bien ce que je veux vous dire, camarades. Parce que comprenez bien, ce n'est pas par hasard si le distingué camarade président a pris comme slogan. Changeons ensemble. Changeons ensemble. Ce n'est pas un vain mot que changer. Ce n'est pas facile. Nous sommes ici dans un pays où les hommes politiques s'y sont pris à plusieurs reprises pour dire qu'ils ont changé. Une première fois, on s'est rendu compte qu'ils n'ont pas changé. Une deuxième fois, on s'est rendu compte qu'ils n'ont pas changé. Et si vous me permettez une petite escapade de 2 minutes dans les textes saints, les croyants qui sont ici savent que le changement n'est pas quelque chose de simple. Le Christ, par exemple, dit « Nul ne vient à moi s'il ne meurt d'abord. » Mourir. Le mot est prononcé « mourir », symbolisé par le baptême, par l'immersion. On t'enterre, tu es mort, on t'enterre et tu renais une nouvelle personne. Voilà à quel niveau le degré de changement est porté dans les textes sacrés.
ça veut dire que c'est un long processus, c'est quelque chose qu'il faut vivre en soi. Ça ne se décrète pas simplement parce qu'on a changé de bannière. Camarades, vous avez là un axe sur lequel vous devez tambouriner sur Internet, dans les réseaux sociaux, dans Facebook, dans YouTube. Ces gens-là n'ont changé que la bannière. Il n'y a eu aucun changement profond en eux. Il n'y a eu aucun changement profond en eux. Mais quand le distingué camarade président nous demande de changer ensemble, c'est simplement parce qu'il a déjà commencé ce changement depuis des années. Je vais vous en donner la preuve. Voilà quelqu'un qui naît dans la famille d'un président de la République. Il naît dans le système, il grandit dans le système, il tête le système et il est élevé dans le système. Il fait partie du système. Et à un moment donné, il décide que ce système, il y a quelque chose qu'il faut changer. Si l'ambassadeur était là, il aurait témoigné que ce monsieur, Ali Bongo Ondimba, dans les années 90, a initié, a lancé un courant dans le Parti démocratique gabonais qui s'appelait le courant des rénovateurs. Je n'explique pas aux plus anciens qui le savent très bien, j'explique aux plus jeunes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce monsieur a le changement qui s'est en lui depuis le départ. Il a la préoccupation du bien-être, il a la préoccupation du changement depuis son jeune âge en politique. Le ministre de la Défense, nous avons vu les actes qu'il a posés. Et voilà qu'il devient président de la République. Nous avons vu les actes qu'il a posés. Ça a commencé par la CAN 2012 qui s'est employé à faire aboutir en construisant très vite des échangeurs et des stades. Ça a été suivi par la suite par le plan stratégique Gabon émergent qui traçait mot pour mot les objectifs, les étapes, la stratégie pour atteindre l'objectif du Gabon émergent en 2025. Et il a fait ce qu'il a dit. Les routes sont là. En 6 ans, le bilan est clair. Il y a des manquements, mais il y a des choses à relever. Les routes, le kilométrage de route au Gabon a été doublé. Les hôpitaux ont été tous rénovés, L'eau est devenue une réalité. L'électricité est devenue une réalité. Je viens de passer 3 semaines à Libreville. Je n'ai pas subi une seule coupure, ni d'eau, ni d'électricité. Les travaux ont été difficiles. C'est la vérité. J'ai été à Libreville il y a 3 semaines. L'eau est une réalité. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Il y a peut-être des endroits où ça manque encore, mais les travaux sont en cours. Des endroits où on subissait des coupures, je n'ai pas subi une seule coupure, ni d'eau, ni d'électricité, pendant 3 semaines, là où j'étais. La réalité est là, camarade. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Cet homme a fait déjà une partie du travail qu'il a promis. Maintenant, il en manque encore un bout, c'est certain. Mais en termes de crédibilité dans le changement, je pense, et vous conviendrez avec moi, qu'au regard de ce qu'il a accompli, non seulement à l'époque où il a initié le courant des rénovateurs, non seulement à l'époque où il était ministre de la Défense, et les actes qu'il a posés ces premières années, aucun des candidats qui nous sont présentés actuellement ne peut lui arriver à la cheville. Là-dessus, vous pouvez applaudir parce que je viens de dire une vérité. Je répète, au regard de ce qu'il a déjà accompli et en face de ce que ses adversaires actuels, qui du reste sont tous du PDG, en fait, nous avons des choix entre que des PDGistes, les trois principaux candidats qui sont en face d'Ali Bongo Ondimba sont tous du PDG. La seule chose, c'est qu'il y a un PDGiste légitime qui, depuis des années, a montré sa vocation au changement. Là-dessus, vous allez pouvoir applaudir encore. C'est la vérité. C'est la vérité, il faut le souligner. Personne d'autre ne peut être porteur du changement au Gabon mieux qu'Ali Bongo Ondimba. Personne d'autre au Gabon ne peut être porteur du changement. Personne d'autre au Gabon ne peut revendiquer la capacité à changer le Gabon mieux que lui. Il l'a prouvé, il l'a démontré et c'est en cours. Il ne demande qu'à poursuivre l'œuvre qu'il a déjà commencé. Et nous allons le soutenir pour ça. Tout ça pour dire quoi ?
c'est que, camarades militants du PDG en France, vous avez une place à prendre dans le projet que le distingué camarade président ne manquera pas de nous présenter dans quelques semaines. Vous êtes ici la future élite. Vous avez été envoyé, ou vos familles vous ont envoyé, ou l'État vous a envoyé avec des bourses pour étudier. Certains de vous, vous avez une certaine expérience. Certains de vous, vous avez une expertise. Nous avons, camarades, le Gabon en héritage. C'est le seul pays que nous avons. Nos parents nous l'ont légué et nous devons le léguer à nos enfants, certainement dans une situation mieux que nous l'aurons trouvée. Si nous nous complaisons à rester en France, soi-disant pour suivre les avantages d'une vie facile en France, j'aime autant vous dire que je pense que nous pouvons regarder la chose avec un peu plus d'acuité parce que je pense qu'il y a du chômage en France. 10%. Je pense qu'il y a beaucoup de difficultés de papier. La vie ici n'est pas si facile que ça. Bien évidemment, le retour n'est pas toujours très facile, mais l'appel que je fais aujourd'hui, c'est que vous ayez conscience de ce que l'élite, les cadres, la ressource humaine dont dispose le Gabon ici a besoin d'être organisée afin d'être mise à disposition pour se mettre à disposition de notre pays. Si nous devons apporter quelque chose, ce n'est pas en France que nous devons apporter notre valeur ajoutée. Ce n'est pas en France que nous devons apporter notre expertise. C'est pour notre pays. Bien évidemment, nous comprenons qu'il y a une organisation à faire. Et là, monsieur, la Fédération PDG de France compte bien prendre ses responsabilités. Nous avons des projets en ce moment qui s'appellent des journées d'échange, qui ont vocation à créer des ponts, y compris avec nos compatriotes d'en face. Parce que l'intérêt du Gabon passe au-dessus de toute autre considération. Que les personnes pensent comme nous, que les personnes pensent différemment de nous, il est important, chers camarades, que vous vous associez à nous pour que nous puissions créer des ponts et que nous puissions organiser cette diaspora qui a besoin d'être organisée, mise en ordre de marche pour qu'elle puisse apporter tout son effet dans le projet de société que le distingué camarade président Ali Bongo Ndimba ne manquera pas de présenter très bientôt. Vous voulez applaudir, allez-y. PDG Nga, PDG Meme, ce que je suis en train de vous proposer, camarades, c'est simplement la mise en œuvre de notre devise, dialogue, tolérance et paix. Nous sommes la première force politique du Gabon en France. Il nous revient la responsabilité d'organiser cette mutualisation des efforts. Et je salue encore une fois la présence parmi nous des délégations de des provinces qui nous serviront de point de chute, qui nous serviront de tête de pont pour pouvoir organiser ces rencontres avec chacun de nos compatriotes ici et là. La bataille a commencé. Mobilisez vos camarades, soyez prêts, le départ va être bientôt donné pour une victoire cash que nous allons livrer à notre distingué camarade président Ali Bongo Ndimba. Je vous remercie. On passe à un nombre de moyens, nous fonctionnons de façon efficiente, donc si vous pouvez penser à nous plus souvent, je ne vais pas prendre plus de temps, il y a déjà eu assez de temps. Et nous soutenons notre candidat, bien évidemment, nous sommes là pour ça. Nous mobilisons tous les jours pour cela. À présent, nous attendons qu'on en découdre. Nous voulons en découdre. Donc, c'est un honneur à nouveau de représenter les sections, les provinces qui sont ici présentes et représentées. Et bravo pour la cérémonie. Merci à Paris de nous avoir accueillis. Nous espérons dans les années futures, ce sera peut-être en province que cela va se passer. Et monsieur le fédéral, merci. Bonne soirée à tout le monde. Tout le monde a tout dit. Le représentant UJ, la représentante UF aussi. Et tout à l'heure le fédéral. Donc je ne vais pas vous prendre plus de temps. Bonne soirée à tout le monde. Et passons un bon moment ensemble.
les filles. Il n'y a pas des femmes du PDG, quoi. Les femmes, oh. Du PDG, oh. Est-ce que vous êtes là ce soir? Alors faites du bruit pour les femmes de lui. Il dit oui avec esthétique. Je l'ai trop manqué. Il m'avait traqué à Kingston. Ça va. Tu gorges maintenant. Ça, c'est carrément l'argent du PDG, quoi. Mais attention, pas en France, c'est pas un héros. Attends, attends. Il y a une chose qui me fatigue. Les hommes, oh. Les hommes. J'ai l'impression que les femmes, quand leur maman était enceinte de lui, la manger ne sert pas. Tu dis ça par rapport à quoi? Parce que quand vous parlez, surtout quand vous faites le Congo, ça c'est là, tu vois les têtes. L'amour n'a pas de médecin.
Jessica, je sais à vous partager. Lille, Amiens,
et j'en passe. La Rochelle. La Rochelle. Bordeaux. Bordeaux. Pour bien montrer que la France est derrière un seul homme, Ali Bongo Ondimba, pour une victoire cash. Je vous remercie pour tout le soutien et pour toute l'atmosphère que vous avez filmé aujourd'hui. Et ce n'est pas par hasard si à 4h du matin nous pouvons encore filmer une si belle ambiance. Que les adversaires se le tiennent pour dire. Du PDG, quel est votre sentiment à la fin de la soirée, de cette soirée de commémoration? Eh bien, c'était une fête très 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 réussie. Il y a beaucoup d'ambiance. Ça a été pour moi l'occasion de découvrir des artistes du Gabon, des artistes de l'humour, de la chanson et de la danse également. J'ai retenu de tout ça, c'est un énorme soutien pour le président gabonais actuel Ali Bongo par rapport aux prochaines élections qui vont se tenir au mois d'août. Il y avait une ambiance extraordinaire. Le credo, on entend la tolérance. Est-ce que cela vous dit quelque chose par rapport à votre pays qui a traversé un moment difficile? La tolérance, effectivement. En fait, de manière globale, ce que je voulais dire, c'est que l'Afrique centrale, en ce moment, de manière globale, est en train de ressentir des petites secousses qui pourraient annoncer un grand séisme. Et ça fait peur, ça fait peur. Que ce soit au Tchad, au Congo-Brazzaville, en RDC, en Centrafrique, on a une impression qu'il y a de la crainte partout qui se fait ressentir au niveau des populations. Et ce qu'on voudrait, c'est la stabilité en Afrique centrale. Donc au niveau du Gabon, ce serait peut-être un havre de stabilité si le président Ali Bongo était réélu. Je pense que ça serait une continuité qui briserait, qui contribuerait à briser le cycle des inconstances en Afrique centrale. Ça pourrait faire boule de neige. Mais voilà. Ici, ça a été, comme vous l'entendez, c'est une ambiance extraordinaire, conviviale, que j'ai énormément appréciée. Et par rapport à mon pays, comme vous disiez, la République centrafricaine aujourd'hui, je l'espère, est en train d'aller vers une stabilisation parce que nous avons un nouveau président élu. Et pour peu qu'il rompe avec nos vieilles habitudes, nos vilaines habitudes qui nous ont conduits dans la situation désastreuse de la République centrafricaine, nous avons besoin de cette rupture pour pouvoir stabiliser également notre pays et prendre la route, le chemin de la paix et du développement. Voilà ce que je souhaite pour la RCA également. Nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions, Marie-Anne Asselineau. C'est moi qui vous remercie. Merci.